Revelations. Et bien sûr, Milou, c'est XBSK. Aujourd'hui, on se retrouve pour le playthrough de Resident Evil Revelation qui est sorti le 24. C'est édité et développé par Capcom. Et donc, ben voilà, j'ai mon édition PC. Je suis heureux, je suis refait. Et donc, j'ai joué un peu. Vous pouvez voir que j'ai joué 2 minutes 52. Yeah! Et donc, voilà, on va aller directement se lancer. D'abord, faisons une petite vérification sur les paramètres. Voilà, nickel. On va pouvoir y aller. Alors, on va faire campagne. On va faire une nouvelle partie. Oui. Ah, je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas de mode coop hein, dessus. Bon, allez, on se tait, on profite et on y go. Hey, Jill. Incredible. The Queen Zenobia. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them... right here on this ship. Eh bien, nous y voilà! Nous sommes sur le bateau! D'ailleurs, attendez un instant. Oh, je peux pas utiliser Genesis au début, d'accord. Par contre, je sais pas pour vous. Enfin, pour ceux qui ont testé la version PC, mais moi je trouve qu'il est ultra fluide le jeu, c'est hallucinant. D'ailleurs, on va peut-être un peu diminuer. Non, mais je veux pas tirer. Je veux juste donner un coup de pied comme dans Resident Evil 5. Tout ce que je voulais faire, moi. Ça va, monsieur? Vous avez l'air bien, dis donc. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous attend encore ici? Oh là là, des couloirs sombres. Ça me dirait qu'il vaille. Tu sens une présence, gros. Ah! I don't think we're alone. Bon, en effet, on n'est pas alone. Allez! Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors. There's blood coming from the ducks. Ok. Il a morflé le gars. Autant le dire tout de suite. No power, which means no elevator for us. Oh, pas d'élévateur pour nous, fait chier. Alors. Et sinon j'avais raison, hein. Cet épisode se passe bien entre Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Je l'ai lu sur la description du jeu. Puis de toute façon, je pense pas qu'entre Resident Evil 3 et Resident Evil 4, il y avait une telle technologie. Hein, parce que le Genesis, voilà quoi. Je pense même pas que... voilà quoi. Bref, j'avais raison. Assumez.
quoi ici? Oh, y'a rien. C'est cool. Oh! Oh, y'a de la drogue! Alors, par où il faut aller ici? Vous avez eu peur, avouez, hein? Vous avez eu peur, hein? Avouez-le! The power still works here. Ah bah oui, hein. Pour le coca, pour le triche, le courant il marche toujours, hein. Ne vous inquiétez pas. Push. Non, je vais pas prendre un push du jeu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a pas un truc qui brille? Oh, des balles. Alors, hop, on passe par ici. Ça a l'air frais ici. J'ai un mort. The face is smashed in completely. Miam 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 miam. Ah, il y a quelque chose ici. Parker, give me a hand here. Sure, no problem. I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. So, it's not Chris. Oh, quelle belle gueule, dis donc! Oula, casse-toi. Meurs! Là, je sais pas pour vous, mais ce petit passage avec le flingue qui ramasse, ça m'a fait penser à la première cinématique de Resident Evil 1. Quand il trouve le gun. Putain, il se déplace vite quand même, ces enculés, hein. This explains our missing crew. This is not good. Where are you, Chris? This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures known as bioorganic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident,
The FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that Bioterra poses for people around the world. There you two are. O'Brien, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? The Genesis or something. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? No, I brought it with me, just in case. I hope you read quickly, because you're gonna need it on your mission. Yeah, I'm on it. Il a l'air un peu débile ce con. Coup de couteau. Allez hop, on check. Ah, on a trouvé des métaux. Scan the carcasses on the beach and send me your data. I'm getting something from inside it. Allez. Careful now. Don't worry, I've done this before. I've got something. This. If it's an engineered mutation, this could prove a link. I'll run some tests on this. Continue with the investigation. Faut continuer l'investigation. Bon. Ça va être chiant. Parce que je sais pas où sont les autres morceaux. En plus, ça brille pas forcément directement. C'est un peu chiant aussi. Bon, là-bas il y a des balles. Pour trouver tous les morceaux, je me rappelle c'était un peu galère. Il y en a un là-bas par exemple. Et donc il est un peu bien loin quand même. Regardez, il brille quand on a une certaine portée. Ouais, dommage ça. C'est pas grave. Moi j'aime le jeu. J'aime Resident Evil. C'est ma licence favorite. Assassin's Creed et peut-être prochainement Watch Dogs. Ah! Il a bougé! Ah, il est mort. Et c'est dégueu, c'est visqueux. I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? I wanted to be more involved. I wanted to fight. Alors, il y a un petit morceau ici. Voilà. Alors. Oula, ça a carrément explosé. That smell must have ruptured from gas. Christ, what a mess. Non, c'est pas le bordel, c'est même beau, c'est ça pue mais c'est beau. Trop loin. Trop loin.
J'allais dire, si là c'était trop loin pour toi, je t'aurais ken la gueule. Hein. Alors est-ce que je l'ai fait celui-là? Je pense pas. Voilà, 13. Vous allez voir que je vais encore en oublier. Hein. Eh ben ouais, je crois que j'en ai déjà oublié. Hein. Oh putain! Ah, ça va me gaver si j'en ai encore oublié. Hein. Oh non, s'il vous plaît, Seigneur. On va déjà scanner. Quand ils sont blancs, ils sont déjà scannés, ça veut dire. Bon, on va aller là-bas. Est-ce que je suis sûr qu'il y en a? Voilà. Ah voilà, bon, on a réussi. Facile. C'était simple en fait. Oui, vous obtenez un objet. Oui, j'arrive. On arrive. Elle a un beau bouti, hein, Jill. Hein. Oh putain. Je suppose qu'il faut leur tirer dans la gueule là. Allez! Souris-moi! Voilà. Eh bah putain, elle a de ses dents quand même, cette saloperie. Ouais, j'avoue. Oh là là, mais tu vas fermer ta gueule, patron! Je t'aime pas, j'aime pas ta gueule en plus. There you are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FBC's blockade. Well, we did all we can. Now, we wait for the results to come back from HQ. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. Uh-huh. What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Jill, Parker. You two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. I thought they were in the mountains chasing Feltro. But judging from their position, they must be... on a ship. I'll go back to HQ, take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Là. J'ai fait un S. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Think these things got to Chris and Jessica? I hope not. Hey, no one's saying Chris is dead. All right, then let's find him already. Ah, bah on est dans le niveau de la démo. Ah bah c'est cool ça. Je le check lui. Hein? J'ai scanné un truc à travers? Voilà, ah, il y en a encore un là-bas. Parce qu'il va falloir un max de mémune.
Ah bah putain, y'a des balles partout dans ce bateau, hein. Oh là, c'est quoi ce genre de bateau? Oh là là. Les bateaux, c'est plus ce que c'était. Alors, par là. Bon, je me souviens plus ou moins de la démo. Ah bah oui, hein. Fait forcément quelque chose en bas. Pour bien te forcer à bouger partout, tu vois. Ah bah ça fait deux herbes. Et il y a la troisième en haut. Si vous vous souvenez. C'est là qui est le plus lent en fait. Ils nous ont ken et tout. Ah non, ça va aller là. Yeah. Alors, bon, je suppose qu'ici il y aura rien. Enfin, ça serait... Ah bah non, il y a quelque chose. Ah, je peux plus prendre deux balles. C'est marrant parce que, attendez, si je dis pas de bêtises, j'ai la chargeur à 30, alors que quand on a joué Jill et Parker sur la plage, j'avais un chargeur à 60. C'est quoi cet embrouille? Bon, c'est pas grave. Allez, viens, je sais que t'es là, toi. Putain, mais il lui faut combien de balles pour mourir? Oh, hallucinant. Il lui en faut plus que dans la démo, j'ai l'impression. Alors, il y a quelque chose ici, normalement. Voilà. Allez, je vais prendre des munes. Ah non, c'est une herbe. D'accord. Voilà. Il y a quelque chose derrière. Non, il y a rien derrière. Des balles, des balles, des balles, des balles. Ouais. Là-bas. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je vois rien. Encore des munitions de pistolet. Ah mon dieu, c'est le chaos ici! Bah oui, il y a toujours trois feuilles. Non, il n'y a rien ici. Ah. C'est quoi ça? Encore des balles. Eh ben c'est bien, au moins quand je rebrousserai chemin, je sais qu'il y aura des balles partout. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura la cinématique ou est-ce qu'on a vu la soi-disant poupée de Chris, là? C'est ça la question. La gueule! Meurs! Pourquoi je sens que c'est Jessica, en fait, et qu'elle est morte? Est-ce que j'ai une grenade? C'est la question. Ah bah non, j'ai plus de grenade là. Allez! Ah merde, balle. Hein? The fuck? A survivor. The VOW's got her, though. Who was she? I'm still trying to piece that together. Hop, on check. On check. Check. Trop loin. Comme d'hab. Ah, putain. Empreinte trouvée. Il y a quelque chose là aussi. Voilà, j'ai suivi toute la pièce, je pense, donc on est bon. On va se faire un max de mun. Ouais, vous avez trouvé la clé du quartier d'équipage. Parker, I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Copy that. Hold on to it. We just might need it. Ah bah oui, c'est sûr qu'on va en avoir besoin. Une clé dans Resident Evil, on en a toujours besoin. Prends des balles. Bonjour. Allez, meurs. Bon, l'avantage c'est que j'ai compris maintenant que quand l'ennemi est mort, le curseur passe du bleu au gris. I found Chris. Make your way to my location. J'arrive, salope. Mais d'abord, on va faire un petit tour ici.
Bon. Sors de là. Mordoria, comment il a paru, quoi. Ah, il est mort. Facile. Ok, quoi, là. Ok. Voilà. Ah, il y a quelque chose là. Voilà, j'ai tout checké. Voilà. Une grenade à main, cool. Allez! Hein? Et lol, quoi. Toujours à 30. Attendez un peu, c'est quoi cette embrouille? Ils avaient bien dit que c'était sur G qu'il fallait appuyer pour pouvoir lancer la grenade. Bon, on va vérifier ici. De toute façon, je vais me faire agresser. Ah! Ah putain, je pouvais faire du corps à corps, je l'ai pas fait. Quel gaspillage, hein. Ouais, c'est le chaos ici, je sais, j'avais compris. C'est bon. Ah, est-ce qu'on va en avoir encore un ici? Je ne sais absolument plus si. Ah bah d'accord. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une animation de dégâts, voyez. Vous voyez. Le monstre il a fait et hop. 2, 3. Faut que je le fasse reculer un peu. Ah! Ah! Hey, lâche-moi, connard! Putain, c'est quoi cette animation, quoi? Allez. Avec la souris, quoi. Ils sont bêtes ou quoi? D'avoir foutu une cutie pareille. Putain, mais c'est. C'est moche, quoi. Moi, je préfère de loin avec QSD ou un truc dans le genre, quoi. Vous imaginez si votre souris est trop rapide, ça m'est déjà arrivé hein, de faire une QTE parce que la souris était trop rapide et que le jeu n'arrivait pas à considérer le mouvement quoi. Bon on verra. Alors, on va enfin voir ce qui s'est passé dans après la démo. Jill, allez. Chris What is this? Oh, great. Oh, shit. It's a trap. Previously on Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap!
It's time you learned the truth. It's Valentine. Slow down, Chris. We're almost there, Jessica. I certainly hope so. My feet are killing me. Our source indicates the camp is on the far side of this peak. Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. Who'd have thought we'd be stuck out here for so long? Bon, ben on joue Chris maintenant. The plane! My god, it crashed! There shouldn't be any shipping routes in this area. Lol. Qu'est-ce qu'un avion foutait là en effet? Pourquoi j'ai droit qu'à une gélule pour me restaurer? J'ai droit qu'à une gélule! Mais j'ai ramassé plein de drogue la dernière fois! Ouais, mais c'est loin. Investigate the site. Let me know if you find anything. Allez, it's time to investigate. Alors, un objet ici. La créature qui a fait ça n'était pas humaine. Ah bah oui, on a... What were they carrying? J'avais vu un truc ici. Balle. Ah bah oui, hein, je vais avoir plein de munitions pistolets, mais pour avoir des balles de shotgun, je vais pouvoir me toucher bien fort, c'est ça? Ah non. J'allais dire. Ah. Quelque chose ici. Encore des balles de pistolet. Ah bah lui, il a 70 balles dans son flingue. Hein. J'ai envie de dire, Jill, elle s'est fait un peu carotte. Hein. Oh, pauvre monsieur. Il est mort. Qu'est-ce que tu avais sur toi, mon chou? Wow, on a eu le plan de vol. The manifest should give us a lead to work with. Let's see. They were headed for Falcon and Mach Airport. If that's where they are, this mine should take us there. Yeah, je suis un fou du couteau, moi. Je suis un ouf. Hein? Encore quelque chose? Non. Je suis déjà au fond, de toute façon. Chérie, viens m'aider. Jessica, I need a hand. Hold on. Bon, pour le moment, on peut pas trop juger le booty de Jessica, hein. Mais bon. Putain, vas-y, le jeu, il va encore essayer de me brain. You should have worn your thermal underwear. Did you hear that? Oui, j'ai entendu des loups. Bonjour. I think they're infected. Careful, Jessica. See? This is why I like to watch. Voilà. Was the plane transporting these things? Looks that way, doesn't it? Bon. Was back from the dead. Yeah. And we have to stop them before anyone gets hurt. Je dors comme il court. Bon, par contre, on voyait rien ici. On va aller par le haut, hein. Hein? Ah, il faut pas beaucoup de balles hein, pour les tuer, bizarrement. J'en ai même profité pour faire bugger le chien, quoi. Donc
Pourquoi il y a une musique épique alors qu'il n'y a plus de monstres? Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Allez! Monte les gros biscottos, Chris! Ah bah je suis revenu à mon point de départ. LOL! Allez hop! Bon! On va sortir le pompe, parce que je sens qu'on va se faire agresser dans pas longtemps. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je vous l'avais dit, on allait se faire agresser. On se fait agresser. Oula! Alors, l'heure biologique. Et comment est-ce qu'on utilise l'heure biologique, c'est ça la question. Ah putain! Ah ouais, pas difficile à tuer. Bon, ça va, c'est pas difficile à tuer en fait. Ah putain, par contre, il y en a deux là, ça va pas le faire. Ah! J'utilise comment l'herbe? C'est quelle touche pour l'herbe? Merde! Elle est où la touche herbe? Avancer, se tourner, je m'en fous. Caméra pointeur haut, je m'en fous. Recharger, utilisation secondaire, je m'en fous. Tab! Ah d'accord. Putain, ils ont vraiment cherché loin pour ce truc. Hein. Putain! C'est bon? Oula, oui. Viens, Timon Doulou! Allez, viens! Tiens! Chier, grosse! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Problème, bitch! On a plein de leurs biologiques, c'est bien ça. Pas de mission pour le pompe aussi. Alors, on recharge. Et on scanne. Pour le moment. Ah, il y a quelque chose en bas. C'est sûr qu'on peut pas scanner les chiens. Oh, encore un leurre biologique, ça va, vous avez m'en donné 20 ou quoi? Bon bah apparemment... Jill, was it? It was what? Stay focused. She was your partner before, right? Yeah, my partner from before. What about it? I was, you know, just asking. Salope. Tu veux savoir si on baisait ensemble, c'est ça, hein? Eh ben oui! Elle a kiffé sa race. Bon, ça va là les leurs. Bon, t'as de la drogue. Oulala, comment ça pue? Comment ça pue trop même? Ouais! Shit. Ah bah oui, shit hein. Chris, are you okay? It's just my leg. I'm not going anywhere for a while. Ah bah oui, hein. Hold on, I'll be right there. Casse-toi. Why now of all times? Allez. There's too many of them. T'as pas envie de te dépêcher un peu? My ammo's not gonna last. Aren't there any more decoys? Ouais, bah grouille-toi là! Putain, mais grouille-toi! Grouille-toi!
Putain, j'aurais été avec un vrai joueur, il aurait été là depuis 2 ans là. Oh merde. Oh 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 oh, ça va faire mal. Ah non, même pas. Ah, d'accord. Ah, oh, c'est bon, je lance. Je lance le dernier, là, ras-le-bol. C'est bon, là, tu ramènes ton cul? Can you stand? Thanks. Wouah! Sorry to bring this up again, but. Bring what up? Do you trust me as much as Jill? There's no need to compare. I trust you both. Besides, trust is built through actions, not words. That's so like you, Chris. It's always about the job, isn't it? Vous avez vu le mec? Il se pète la jambe par terre. La meuf, elle fait « Tu peux te relever ?» Et voilà, terminé. Mais putain, Chris, quoi. Oh là là, t'es une machine de guerre et de muscles. T'es en train de me dire que t'étais pas capable de te lever sans l'aide d'une femme. Oh là là. Je vous jure. Les guerriers, c'est plus ce que c'était. Hein. Oh là là. En plus, j'ai tout mêlé l'or pour rien, parce que je pouvais pas prendre mon pompe. Oula, c'est beau. Look, is that the airstrip? Hein? Vous avez le report. This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valcoynin Mach Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. I haven't heard from them since. Hal, what's going on? Chris, you better look at this. Possible. O'Brien, you're not gonna like this. We found the Veltro crest. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then... Then the setup that got Jill and Parker. It was all... Yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. Non, 80 de précision. Non. Là. Bon, allez, Loulou, on va s'arrêter ici, je pense. Par contre, pour aujourd'hui, je pense que je vais faire qu'un seul épisode parce que je vous avouerai que c'est pas la forme pour moi en ce moment. Donc j'aimerais bien profiter de ce samedi pour me reposer un petit coup, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin non, n'essayez pas de voir ce que je veux dire. Parce que vous connaissant, vous risquez de l'interpréter autrement. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode de Resident Evil Révélation HD vous aura plu. En tout cas, ça s'annonce pas mal, franchement. Bon, c'est vrai que graphiquement, ça a l'air d'être un portage, ma foi, fait à la va-vite un peu. C'est vrai que ça aurait pu être un peu mieux, mais bon. Chez Resident Evil, moi j'adore, donc je risque de pas être, d'avoir un esprit très critique sur ce jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, Resident Evil 6, j'ai ultra kiffé ce jeu. Hein. Tout le monde le critique, tout le monde fait ouin ouin, c'est trop action, mais moi je m'en fous, j'adore Resident Evil. Depuis le 1 jusqu'au dernier, donc voilà, ce révélation, je vais l'adorer aussi. Donc sur ce, mes petits chouchous, je vais vous laisser. Pour l'instant, vous faites du rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... attitude comme d'habitude avec j'ai trouvé pas au cul. Donc la chanson que c'est sous ces dictons, je vous fais plein de poutous partout. Je vous dis à la prochaine. Je vous adore, vous savez très bien. Et moi je vais en profiter pour me reposer un petit coup. Allez, ciao, bye, prenez soin de vous. Et on se retrouve donc ce dimanche pour double ration de Resident Evil. Allez, ciao, bye et peace.